Sous Céote, on prépare des produits aussi efficaces que toxiques, des chimiothérapies destinées à traiter des patients atteints de cancer. La chimiothérapie attaque les cellules cancéreuses et les détruit. Mais elle touche aussi un certain nombre de cellules saines, et parfois cela n'est pas sans conséquence. L'un de ses effets secondaires vient d'être mis en évidence dans une étude publiée cette semaine, une étude qui explique pourquoi le cancer peut parfois résister au traitement. Les chercheurs ont constaté que la chimio pouvait entraîner une inflammation chez des cellules saines qui entourent la tumeur, ce que l'on appelle le micro-environnement. Ces cellules émettent alors un signal chimique, signal exploité par les cellules cancéreuses pour croître de plus belle. On s'oriente donc vers une combinaison thérapeutique qui visera la tumeur et les tissus qui l'entourent. On a aujourd'hui déjà à disposition certains médicaments qui agissent sur cet environnement de la cellule malade, qui vont agir par exemple sur les vaisseaux qui vont nourrir la cellule malade. Et en agissant dessus, en empêchant que ces vaisseaux se développent, eh bien la cellule va d'elle-même se détruire puisqu'elle n'aura plus d'apport de nutriments pour pouvoir se développer. D'autres pistes prometteuses visent à renforcer les moyens de défense afin d'emprisonner la tumeur et de l'empêcher de diffuser dans l'organisme.